Californie où j'ai vécu les plus belles expériences de ma carrière. J'ai été en camp d'entraînement avec Miguel Cotto pour 6 semaines. Ça a super bien été. Et par la suite, j'ai eu la chance également d'aller avec Canelo Alvarez où que j'ai pu voir où que j'étais rendu dans ma carrière, moi et mon équipe. Lorsqu'on fait des belles performances comme ça avec des boxeurs d'élite, on voit, même si c'est du sparring, qu'on est rendu au niveau et on arrive là à grands pas. C'est sûr que je suis prêt à affronter n'importe qui le 21 octobre. On a déjà un très bon adversaire. Je suis très satisfait de remonter sur le ring en top shape avec un adversaire que je sais que je vais pas l'avoir facile, qu'il va falloir que je travaille. Et puis moi, je voulais passer sa poignière dès maintenant parce que je voyais les fans sur les réseaux sociaux. Et puis en même temps, c'est un gars du Québec, fait que c'est tout le temps le fun des combats locaux. Mais moi et mon équipe, on a décidé de le prendre pour le prochain combat. Vu les circonstances, il va bientôt, c'est un petit peu tight pour le timing de lui dire pour après ça qu'il se donne des fêtes, qu'on l'a averti un petit peu trop en retard. Fait qu'on on l'avertit dès maintenant, puis on va être prêt, puis on reste humble. C'est sûr, ça aussi, ça va être un gros challenge, mais on est rendu là. Puis je suis confiant de la maturité que j'ai pu prendre durant les camps d'entraînement et puis du bon travail que je fais avec mon équipe, Rénal Boisvert, Jeff Bergeron et Yarek Koulicha. À chaque entraînement, on apprend une nouvelle chose, c'est tout le temps du nouveau. Comme si j'aurais tout le temps un nouveau coach, c'est tout le temps des nouvelles choses qu'on apprend, puis on continue à pratiquer les bonnes choses pour devenir un boxeur élite. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. I know that Eves is a good fighter, and I know that you guys are thinking that I'm the perfect opposition to build you up, but I'm here to tell you that you've made a mistake. Now things are different now. You know, all of my boxing career, everybody called me Steve Dragon, the Dragon, Steve Dragon. And at first I thought it was just a cool name. And then as I got a little bit older, I kept using it, and it stuck with me. And then something changed a little while ago. And I feel that I'm becoming the Dragon, and I can feel it, and I know it. There's an old Chinese story of the dragon versus the tiger. So I know that I'm the dragon. And on October 27th, we'll see if Eve is a tiger. So thank you guys for having me, and get ready, because I'm going to put on a show.